Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes maire écologiste de Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines, où se trouve le pont de la Discorde, le pont d'Achères qui doit relier deux départementales, la D30 et la D190, sur la très jolie île de la Dérivation. Une pétition contre ce projet jugé néfaste pour l'environnement a recueilli plus de 4000 signatures. Dimanche prochain, une grande manifestation sera organisée. Et cette semaine, les opposants ont même demandé devant la justice l'arrêt immédiat des travaux. Est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur de la contestation ? Depuis de nombreuses années maintenant, les élus et les associations s'opposent et se mobilisent contre ce projet de liaison routière départementale. Donc aujourd'hui, les travaux ont débuté par des opérations de déboisement. Donc la mobilisation des oppositions est à son maximum, puisque le projet devient, après une réalité administrative, une réalité opérationnelle et matérielle. Donc les inquiétudes sont de plus en plus grandes. Donc je ne suis pas surpris par cette mobilisation. Je suis... Mais est-ce que vous la partagez, cette mobilisation, parce que vous êtes un maire écologiste? Et pourtant, je regardais sur vos réseaux sociaux, vos déclarations, vous restez assez calme sur le sujet. Je crois que la mairie a même émis un avis favorable sur ce projet. Quelle est votre position? Alors la ville n'a pas émis un avis favorable, bien au contraire, on a délibéré à des reprises contre ce projet. Et par ailleurs, je ne suis pas un agité, je considère qu'on peut lutter contre des projets qu'on juge néfastes dans le respect de la loi et dans le respect des règles et de la courtoisie élémentaire. Pour vous, ces opposants ne sont pas dans le respect ? Ah, c'est pas ce que je dis. Je vous dis juste que moi, je ne m'agite pas dans tous les sens. Je porte une opposition issue d'un conseil municipal dans un cadre administratif et réglementaire conforme à la loi. Je suis un élu, je ne suis pas représentant d'une association. Mais est-ce que vous voulez, vous, que ce pont routier, ce projet routier, voit le jour, oui ou non ? Mais je vous ai dit que nous avons déjà délibéré à deux reprises contre cette réalisation routière. La position de la ville, elle est claire depuis 2009. Nous sommes d'ailleurs la première ville à avoir délibéré contre cette liaison routière départementale. On va écouter justement ces opposants qui ont été interrogés par nos équipes fin octobre. Vous réagissez juste après. Merci. C'est 32 collèges, lycées, écoles qui sont sur le tracé, à peu près de 150 mètres de distance. Et c'est donc 9000 enfants scolarisés qui vont être impactés par la pollution. Projet faramineux, 200 millions d'euros, alors que ces sommes-là pourraient être investies ailleurs, dans les hôpitaux, dans les écoles, et toujours pour avoir plus de routes, plus de béton. Donc je suis contre ce projet. Qu'est-ce qui va se passer là par la suite? Quelles sont les marges de manœuvre? Comment pouvez-vous, vous, avoir du pouvoir pour empêcher ce projet de se réaliser comme vous êtes contre? Alors déjà, je salue Denis Millet, qui est président du collectif Non au pont d'Achères, auprès de qui j'étais dimanche dernier, d'ailleurs, sur l'île de la Dérivation. Nous allons poursuivre notre combat, déjà en facilitant les mobilisations. Nous avons également fait un recours gracieux contre ce projet. Nous avons délibéré encore au mois de juin dernier contre ce projet. Nous poursuivons dans le cadre réglementaire. Je vous rappelle que un élu et le maire est dépositaire de l'autorité de l'État. Donc il doit agir dans le cadre de l'État de droit. Et le département qui est à l'origine de ce projet, est-ce qu'il peut céder ou de toute façon ça va se faire avec plus ou moins de dégâts, on va dire, mais ça va se faire? On est sur une crête, c'est-à-dire que le projet aujourd'hui a obtenu toutes les autorisations administratives. Oui, c'est ça. Toutes les voies de recours juridiques ne sont pas encore épuisées. Donc c'est là qu'il reste une marge d'action, une marge de rapport de force à constituer. Les opposants à ce projet routier ont dit qu'ils voulaient encore hausser le ton, notamment avec cette grande mobilisation dimanche prochain. Est-ce que vous craignez une radicalisation du mouvement ? Alors, si radicalisation du mouvement, il existe, la responsabilité reviendra aux organisateurs. Je rappelle que c'est ainsi que les choses se passent en France. Des gens déclarent une manifestation, il y a des organisateurs qui sont responsables. Bon, j'imagine que les choses vont se passer correctement, puisqu'on appelle à la mobilisation d'enfants, de familles. Donc j'espère que tout cela se fera en bonne ambiance. D'autant plus que, je vous rappelle, nous sommes en urgence attentat et que tous les policiers qui sont mobilisés pour sécuriser un cortège de manifestants ne sont pas aujourd'hui sur le terrain en sécurisation d'équipements publics qui peuvent être la cible d'éventuels terroristes.